de Pierre, chapitre 3. Tu peux te biaiser tout, on peut tout, il y a Billy, celui qui a Quentin. Nous allons lire commençant au verset 5 jusqu'à 11. Tout un somme à Quentin, vous allez dire qu'il y a Tano, Alia, Koumina, Mouya. Ils ont la parole au nom du Seigneur Jésus. Un somme à Neno, Moutine, et à Bouana, Issou. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui, il y a eu des familles, nous vous nous autres, et quoi, il y a Bouganisha, Bouimani, et nous Fazili. À la vertu, la connaissance. Fazili ou Djouzi. À la connaissance, la maîtrise de soi. Ou Djouzi ou Kadiri. À la maîtrise de soi, la patience. Ou Kadiri ou Kumblibu. À la patience, la piété. Ou Kumblibu ou Tawa. À la piété, l'amitié fraternelle. Ou Tawa, ma paix de Akidou. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point avec. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Et votre élection. Car en faisant cela, vous ne concherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Précieux Dieu d'Abraham, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, pour la grâce que tu nous offres d'être encore une fois de plus dans ta maison.
affection fraternelle. C'est un attachement. Vous attachez à quelqu'un sans tenir compte de son comportement, sans tenir compte des difficultés, des divergences que vous avez entre vous deux. La Bible dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand les frères demeurent ensemble, c'est vraiment très agréable. Et c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction. La bénédiction de Dieu ne viendra pas sur vous en étant isolé, en étant dans ton propre coin. Dire que non, moi je ne fais pas de problème avec les gens. Donc je suis partisan de la paix. C'est pourquoi j'aime rester dans mon propre coin. Non, quand vous vous isolez, c'est la mort. Et vous n'avez pas l'amour. C'est l'amour fraternel qui nous est exigé. Nous demande d'être attachés les uns aux autres. De vivre ensemble. Amen. Parce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, que dans cet âge ici, ce que Dieu nous demande, il veut voir cet amour fraternel. Régner dans les enfants de Dieu. Amen. Amen. Le nom blasphème à toi. Paragraphe 112. Eh bien, le miel représente l'amour fraternel. L'affection fraternelle. Qui est cet âge-ci? Je viens juste de vous parler sur l'affection fraternelle. Voyons l'âge dans lequel nous vivons. Et dans cet âge-ci, l'amour fraternel vous est demandé ou exigé par le Seigneur. Et quand vous avez ceci, ça vous donnera l'accès, l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est la dernière étape. Une fois que vous franchissez cela et que vous recevez cela, Dieu, le grand Saint-Esprit qui est la terre de fer, le sang et il coiffe la personne. Il coiffe la pyramide. Le maîtrise de
avoir la piété qui est être comme Dieu et manquer l'amour, ça ne peut jamais servir. Le manquement de l'une de ses vertus écroule votre bâtisse. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui dorment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Amen. Amina. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 128.
choses. Vous n'avez rien. C'est pitoyable. Récemment, à une réunion, où un groupe de luthériens, un doyen d'une université, nous avons reçu nous avons reçu là, frère Mour et moi. Et il était vraiment en désaccord avec moi. Mais ce qui l'a frappé, c'était le surnaturel. Il m'a invité à dîner avec lui. Il y avait là à peu près autant de gens qu'il y en a ici à ce petit déjeuner. Et alors, quand nous avons fini de manger et que je lui ai donné des explications, il voulut savoir ce que nous, les luthériens, nous avons. Il m'a dit, avez-vous quelque chose? Nous, les luthériens, j'ai dit, assurément, vous avez Christ. J'ai dit, je vais vous l'expliquer par une parabole. Une fois, un homme a semé du maïs dans un champ. Et il est sorti quelques jours après. Il a regardé. Il y avait de petites. Il y a deux petites pousses dressées comme ceci. Et cet homme s'est mis à louer Dieu pour les champs de maïs. J'ai dit, avait-il du maïs? Il m'a regardé, il a dit, eh bien, peut-être dans un sens, il avait du maïs. J'ai dit, il avait du maïs potentiellement. Il dit, peu après, ce maïs a mûri. Et après quelques temps, c'est devenu un tige. J'ai dit, les deux premières feuilles, c'était fou les luthériens. La première réforme, après quelques temps, la tige a suivi. Cette tige avait l'air si jolie. Elle s'est retournée vers la feuille et a dit, je n'ai rien à faire avec toi. Je suis très jolie tige. Et tu n'es rien d'autre qu'une pauvre feuille verte. Mais si l'on connaissait la vérité, c'est la vie même qui était dans la feuille qui a formé la tige. Et il faut que la feuille laisse tomber son pollen pour qu'il croisse jusqu'à maturité. Après quelques temps, l'épi est apparu portant des graines, le pentecôtisme, la restauration des dons, le retour à ce que les grains étaient avant d'aller sous terre, le retour de la puissance de Dieu dans sa plénitude, manifestant Christ vivant à la Pentecôte par des dons, des manifestations de la première église. Mais vous savez, quand cet épi de maïs est apparu, il s'est retourné vers cette tige et a dit, tu n'as rien, tu n'en fais même pas partie. Et vous, pauvres feuilles luthériennes mortes là-bas, vous ne voilez rien. Mais frères, souvenez-vous, la maturité du grain vient de la feuille. Aussi, passe par la tige. Ce n'est rien d'autre que du maïs plus développé. Alors ne vous moquez pas des luthériens, des baptistes, des méthodistes. N'oubliez pas, c'est une maturation plus grande que l'épi. Mais maintenant, ce qu'il en est, nous avons gardé cela à l'esprit pendant très longtemps, au point que cela a engendré autre chose. Et nous avons des champignons qui poussent partout sur l'épi. Nous savons ce qu'est les champignons. Vous savez ce que c'est les champignons. Et ce qui cause cela, voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas dans l'arbre qui a les champignons. Il a une maladie. Et les pentecôtistes ont une maladie. Il y a beaucoup de champignons qui poussent dessus. C'est vrai. Dans toutes nos églises,
on a des champignons qui poussent dessus. Nous avons laissé le vieux Gazam venir avec son aiguillon et briser la fraternité, briser l'unité parmi nous. Paul a dit dans la Bible qu'il voulait que nous tous nous disons la même chose. Il voulait que nous soyons tous dans l'unité. Nous devons tous dire la même chose, être dans l'unité. Et vous savez que Frère Madame dit, avant que l'église puisse aller dans l'enlèvement, l'épouse parlera le même langage. Amen. Maintenant, si nous sommes divisés et que nous ne parlons pas le même langage, comment est-ce que nous irons au ciel? L'unité, l'amour fraternel vous amènera à dire le même langage. Vous savez, les gens qui sont divisés, même dans leurs activités, vous verrez que l'autre a la vision, l'autre a une autre vision, et les choses ne marchent jamais. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ayons l'amour. L'amour ne vous amènera jamais à détruire votre prochain. J'ai une petite note écrite ici que j'allais lire à ce propos. Toute l'opération des dons et tout, ils sont tenus unis comme une très grande église. Mais nous voyons que cette église est restée ainsi avec la fraternité, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils sont morts en martyrs. Beaucoup d'entre vous, hommes, ici qui êtes les héritiers, eh bien, les âges primitifs de l'Église, des livres comme les livres de martyrs de Fox, et tout, et beaucoup d'autres histoires de l'Église, et comment ils étaient unis, rien ne pouvait les séparer. Puis pendant l'âge des ténèbres, ils sont venus avec une organisation, ils sont venus avec une politique humaine. Les sauterelles ont alors commencé à voler. Les mêmes démons ont brisé la fraternité, essayé de briser l'unité entre les hommes. Ils ont formé leur première organisation. C'était l'Église catholique. L'Église de Dieu n'a jamais été organisée avant l'Église catholique. Et alors il y a une autre contrainte. On devait soit faire cela, soit être écarté par le bif, ou le brûler. On le livrait en pâture au lion. On a tout fait. On les a forcés à entrer dans une fosse. Unité. On les a forcés d'entrer dans une fausse unité. Les sauterelles se sont mises à piquer. C'est vraiment dommage. Après que les asiles fit entrer dans l'église pentecôtiste et qu'il y eut détruit la fraternité, alors la sauterelle est venue. Après cela, se mise à la piquer pour organiser différents petits groupes et briser notre unité. C'est l'un des destructeurs. Une fois qu'une église est piquée par les sauterelles, vous allez remarquer que dans cette église-là, il y aura des petits groupes. Un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe ici. Qu'est-ce qui fait cela? Les gens n'ont pas l'amour. Et vous verrez que dans ces groupes, quand vous suivez ça de plus près, c'est l'esprit des clans qui chapeaute ça. À l'église du Dieu vivant, s'il vous arrivez de vous écouter très bien, d'être en bonne relation, seulement
du mal à se séparer. Il se tenait à la main. Il pleurait. Frère, priez pour moi. Je prierai pour toi. Pourquoi il y avait l'amour? Et frère, madame Lerdu, ne laissez jamais ces sentiments vous quitter. Mais il y a de ces gens ici. Avant d'y aller dans la paix du Seigneur, il n'a même pas le temps de saluer quelqu'un d'autre dehors. D'abord, quand il sort, il a le visage très renflé. Ça, ce n'est pas un cas militaire ici. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Ayez le temps de vous rapprocher de votre frère, de votre soeur. Que Dieu te bénisse. Comment vous vous appelez? Moi, c'est frère Tel. Ou bien c'est la soeur Tel. Tu habites où? Est-ce que je peux avoir votre numéro? Ce n'est pas pour commencer à détresser. Non, pour commencer à détresser. Aujourd'hui, les gens manquent chez
quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, un frère Vail a vu ça. Je crois dans un Seigneur. Je crois dans un journal au Canada. Il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était à Paris, là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Et savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisons des réunions sous la tente, juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ 2500 personnes, des ministres venaient de partout et ils disaient: frère, viens ici une minute. J'étais encore tout jeune. Un petit genou. Il dit quoi? Il disait: comment fais-tu pour garder ces gens-là? T'aimes ma corps. Ils s'aiment les uns les autres. Au point que je n'ai jamais vu de gens qui s'aiment comme ça. C'est le Seigneur. Il dit: ça, c'est sûr. C'est sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saint. Les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main. Les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient. Comme des enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aiment tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte. Tachée de larmes. J'arrivais là le soir. Et le père et la mère étaient ensemble avec leurs petits autour d'eux. Par terre à genoux là. De père et de mère. À genoux. À pleurer. Et à prier. J'ai resté debout. À la porte. J'attendais. J'attendais. Et s'il n'arrêtait pas de prier, je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier. Moi aussi, pendant que je les attendais. Voyez-vous, c'était comme ça. Et ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Béni soit les liens qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Et je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur. Pour Christ, beaucoup d'entre eux dorment aux alentours. Ici, dans les tombes marquées, ils attendent cette grande résurrection. Et nous serons de nouveau réunis. Que cet esprit ne quitte jamais ce
pouvons de vous aider les uns les autres. Amen. Amina. Amen. Amina. Il y a parmi vous ici de frères et de sœurs qui souffrent réellement. Un jour, on a failli avoir un problème ici. C'était pendant la semaine. Après la réunion, il serait tombé là-bas. Mais les autres qui avaient
aujourd'hui, c'était revenu vraiment au point où Dieu, où le Saint-Esprit peut avoir le contrôle en produisant l'amour et la communion. Écoutez, c'est ce dont le monde a besoin. Je vais vous le dire juste une seconde. Amen. Le monde a besoin de l'amour. Vous savez, les chasseurs ici bêtes. Birdou, que Frère Banam chassait avec lui. Frère Banam dit que ce qui avait amené cet homme à être converti, c'est l'amour que la mère Biche avait manifesté. Bien que l'animal a vu le chasseur avec l'arme, mais comme le son qui avait retenti ses sols, c'était le son de son enfant. Elle a accepté la mort. Et Frère Banam dit, cet homme-là a dit, Frère Banam, priez pour moi que Dieu me donne le cœur d'un chrétien. Et vous savez, mes frères et sœurs, ce qui nous manque, c'est ce cœur-là. Ayez l'esprit chrétien, un cœur chrétien. Vous allez vous aimer. Amen. Amina. Vous n'allez pas vous critiquer. Amuta, vous ne serez pas là pour diviser. Amuta, pas et vous serez là pour unir. Écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce? Vous êtes resté peut-être membre d'église depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez réellement? Est-ce que vous dites, il faut que j'abandonne ceci? Il faut que j'abandonne cela. Est-ce que comme cela que vous y prenez? Ça, c'est intellectuel. Mais y a-t-il quelque chose en vous? Y a-t-il quelque chose en vous? Le véritable amour de Dieu dans votre cœur. Si ce n'est pas le cas, pourquoi n'accepteriez-vous pas cela aujourd'hui? Pourquoi accepteriez-vous un substitut? Est-ce tout ce que vous vous fait savoir que vous êtes chrétien, le fait que vous êtes membre d'une église, est-ce tout ce que vous fait savoir que vous êtes un chrétien, le fait que vous avez crié, est-ce tout ce qui vous fait savoir que vous êtes chrétien, le fait que vous avez parlé la langue? Je crois dans toutes ces choses, mais j'ai vu des sorcières et des sorciers par la langue. Tout ce qu'il vous faut croire, peut-être que vous avez de l'huile dans vos mains ou un visage couvert de sang ou quelque chose de semblable qui fait que vous reconnaissez que vous êtes un chrétien. Est-ce là tout ce que vous avez? Frère, vous êtes misérable, oui. Pourquoi ne pas accepter le véritable? Pourquoi prendre un substitut alors que les cieux pentecôtistes sont pleins de choses authentiques? Les langues cesseront. Les miracles prendront fin. La connaissance disparaîtra. La prophétie prendra fin. Mais lorsque le parfait viendra, c'est-à-dire l'amour, il demeurera. Il demeurera éternellement. Le chant des saints et des anges, les poètes ne peuvent pas les décrire. Il n'y a aucun moyen d'écrire cela, d'expliquer cela. Maintenant, pendant que vous méditez là-dessus, est-ce que vous avez réellement besoin de ce véritable amour de Dieu dans votre cœur et vous ne l'avez pas? Il dit maintenant, soyez sincère avec Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je vous introduis dans la présence du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez réellement en vous un brin de sincérité, je prie que Dieu de révéler cela cet après-midi. Êtes-vous réellement conscient que cette expérience-là vous manque? Combien manque cette expérience de l'amour divin? Écoutez ce que le prophète dit. Voudriez-vous lever la main vers Dieu et
chiffres, vous m'entendez très bien. Les souhaits du prophète Branham. Dans les messages, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Au paragraphe 90, j'aimerais que l'amour chrétien se manifeste comme l'amour maternel. Que cette biche a manifesté. J'aimerais que mon amour chrétien soit manifesté de telle façon qu'il gagnera les autres. Non pas mes émotions, mais mon amour chrétien. Et que le Seigneur nous donne cet amour-là. Et Dieu nous aide à manifester l'amour chrétien, l'amour fraternel, comme l'amour maternel se manifeste. La maman, vous ne l'apprendrez pas à aimer son enfant. Ça se manifeste automatiquement. Et si fellowship peut arriver à ce stade-là, où l'amour chrétien, l'amour fraternel peut se manifester automatiquement, ça sera une bonne chose. Et Dieu nous bénira. Aimez-vous les uns les autres. Ne soyez pas isolés. Détruisez le mur de séparation. Ne soyez pas isolés. Quand vous vous isolez, la vie n'est pas en vous. Un véritable chrétien qui a ses vertus, qui a l'amour fraternel, il sera attaché aux autres. Il aimera la compagnie des autres. Il aimera vivre avec les autres. Il va partager ses problèmes avec les autres. Parce qu'il sait très bien, c'est ça ma femme. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne cette vertu. Et on verra avec vous que la personne qui a l'amour, il pardonne. Et on verra aussi pourquoi pardonner. Amen. Parce que si vous n'avez pas ceci, le ciel, vous n'entrerez pas. Que Dieu donne à chacun de vous un cœur chrétien et l'amour divin. Quand vous aurez cet amour, le Seigneur vous bénira. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous demandez à Dieu quelque chose, montrez-lui le pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Après que Dieu t'ait donné ce que tu lui demandes. Amen. Mais si vous pouvez avoir de l'amour en vous pour dire, moi c'est servir Dieu, servir ses enfants, vous ne tarirez jamais. Dieu vous bénira. L'amour de Dieu vous amènera à considérer votre prochain comme s'il est supérieur par rapport à toi. L'amour chrétien peut même t'amener à laisser ta chambre à ton frère, à ta sœur, pour qu'il aille dormir là-bas. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne t'amènera jamais à minimiser, à ridiculiser les enfants de Dieu. Quand tu le verras venir, c'est Dieu qui vient vers toi. Même s'ils ont des poussières, tu ne vas pas les recevoir dehors. Tu ne te rapprocher. Entrez dans la maison. Prenez place, mon frère. Prenez place, ma soeur. Et quand tu vas leur donner à boire, même de l'eau, tu n'amèneras pas les gobelets que les enfants jouent avec. Tu iras chercher ce qui est plus valeureux là. Pourquoi Dieu aujourd'hui est dans des hommes, il est dans des femmes. Le vendredi, je vous avais dit, au commencement était la parole, mais maintenant c'est vous qui êtes la parole. Manifestez l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Il a quitté le ciel, lui qui n'avait pas péché. Lui, il est très haut. Il est descendu plus bas que l'homme le plus chétif de la ville pouvait s'incliner pour le regarder, pour le voir, le Dieu du ciel. Et quand il entrera en toi, tu feras la même chose. Parce que la grandeur s'humilie. C'est ça la puissance, c'est ça la bénédiction. Mais l'orgueil,
orgueil, c'est un démon qui t'amènera à la mort. Ayez l'amour, ayez l'humilité, Dieu vous bénira. Enlevez l'orgueil, soyez très humble. Amen. Amina. Et Dieu vous aimera beaucoup. Fellowship tabernacle, fellowship sentez-vous unis.